Et salut à tous et bienvenue sur Borderlands 3. Ça y est, on y est. Alors, j'ai déjà touché aux options. On va jouer en normal. Donc, vous aimez les histoires, hein? Un récit d'aventure au beau milieu des Ah étoiles. bah oui, on aime les histoires, dis donc. Écoutez donc le vieux Marcus. J'ai Salut justement de quoi Marcus. vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith, et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui l'amènera à toutes les cartes au trésor. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Ah, pire que quoi ? L'histoire commence ici, sur Pandore. Avec nos nouveaux chasseurs de l'arche, la sirène qui les guide, puis bien entendu. Quoi? Ah, ça annonce la couleur directe. Avec Psycho. Sommes les descendants de l'arche. Ah, ça porte chance. Ah, c'est stylé graphiquement. Ça donne envie la musique, hein. Puis alors là, l'univers. L'univers aussi donne envie. Ça a pas la même gueule. Burn, 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 fire. Ah oui, mais c'est. C'est vraiment devenu le 3 à quoi. Flak, ah, the Beastmaster. Oh putain. Moz as the gunner. And... Amara, la sirène. J'ai mis des sous-titres. Hein.
Zen Flint as himself. Ah putain. Bon, c'est un jeu, ça va faire boum. Boom. Borderlands 3. Bienvenue dans cette vidéo découverte avec Lundell. Ah, quelle merveilleuse journée remplie d'opportunités. Alors, y aura qui ? Une sirène guerrière de Partali, féroce. Puissante, ça pourrait servir. Ok, chaque personnage a le droit à son commentaire. Ah, les élémentaux, ça peut être pas mal, la sirène. Un dompteur robotique de l'Ursacor Vladov, si je ne m'abuse. Allez, j'aime bien tout ce qui pète. Et ça va faire boum. Boum, chakalaka. Moi, c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Bonne chance. Une voix dans ma tête. Ouais, c'est Lilith. C'est ici que tu descends, toi. Ah bah on est direct lâché dans le monde, attention, ça c'est cool. Chérie, ça va looter. Attention chérie, ça va looter. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Bon, ça va être la première mission, hein, du coup, pour un rookie, newbie. Bon, j'ai déjà fait Borderlands 2, je devrais m'en sortir. Ah, alors c'est toi la nouvelle recrue. Je suis un robot CL4 PTP, mais tu peux m'appeler... Clap-trap. Artilleuse de première classe, ex-infanterie mécanisée de Vladov. Vladov. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les Margoulins qui ont voulu te tuer sont... Ah, les Margoulins. Une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. Un système écho, qu'est-ce que c'est ? Légèrement plus puissant que l'écho 2 et deux fois plus cher. Sans compter que l'écho 2 avait un petit problème de combustion spontanée. Ils le vendent toujours, mais sous l'appellation générique de grenade. Grenade. Écoute-moi bien, le sou. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badino rigoler. Suis-moi pour la gloire. Putain, toujours autant déchaîné et autant il ferme jamais sa gueule, Claptrap. Avant qu'on se mette en quête de vengeance, enregistre ton écho à cette station Maudit l'éclair. Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre. Et quand je signerai des autographes sur des nénés, je veux que t'aies l'air stylé tout en repoussant les hordes de fans qui se jetteront sur moi. Un contrat d'utilisateur ? Ah, oh, ce vieux truc de Windows. Une porte fermée ? Non, c'est impossible ! C'est toute la mission qui tombe à l'eau ! Réfléchis, Gertrude ! Vite ! Tu es oh courageux et puissant ! Ils en font toujours ce que tu leur demandes ! Ah, je sais ! Recrue, ouvre cette porte ! C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique ! Ouais, ouais, ouais. Calme-toi, calme-toi. Ah, mais il y a un levier magique. Alors, toujours shift pour courir. Les pillards à tour de bras, c'est vrai.
vraiment des gros nullos. Mais j'ai un plan en béton cellulaire pour leur passer le trou du pion. J'ai caché des armes dans le coin. Fais pas de bruit et suis-moi comme une ombre. On va être furtif. J'avais marché jusqu'ici. Et je vais tourner. Il va se faire exploser, oui. On y croit. Ah, le con. On n'avait pas dit furtif. C'est rien. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir besoin. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale. Je peux danser et chanter. Et certaines armes incluent la, aussi la, la, un la. Non, de tir secondaire. Suis-moi, recrue. Allez, je te suis. C'est parti, on va s'amuser. Avec un tel bout en train. Attends là, je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié. Admire le style, recrue. Eh oh, y'a quelqu'un? Je suis Shiv, grand influenceur des descendants de l'Arche. Qu'est-ce que tu veux, tas de ferraille? Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclé. Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement... Toujours aussi taré, quoi. Ce qu'on peut être appelé les descendants de l'Arche, mais ça reste des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Ok, on veut bien se rendre. Pitié, nous tu penses, tas de ferraille. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Doucement, doucement. Je vais sortir. Juste une seconde, voilà. On a réussi. J'ai réussi. Encore une victoire des pillards écarlates. Oh là là. Je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Eh ben t'en auras plus. Enfin t'en auras jamais surtout. C'est mon moment. Ah mon dieu, allez. Je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te rejoins très vite. Ok. Ça promet. Ah, le Zip Rocket. Hop, on a tout regardé ou pas? Ta-ta-ta-la. Allez, il y a encore des petits toxicatules. Bah ça vise pas bien ça. Il
Voilà, ça fait boum. Tu feras mieux dans ta prochaine vie. Ok, tu feras mieux dans ta prochaine vie. Oui, bah j'y vais, 2 minutes et... Alors, où il peut bien être ce bouclier? Je cherche un putain de bouclier. Tu trouveras peut-être un bouclier dans ce coffre très rouge là-bas. Super, il est super bien caché aussi. Mais comme je suis collé à cet aimant, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. À quoi, hérétique? J'ai pas encore mon quota de sacrifice pour la journée. Oh ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Shiv, tu m'as mangé chaud. Un couteau dans une fusillade. Ah oui, d'accord. Attends que je bute ta tête. Elle a des pouvoirs, salon. C'est bon pour le... Ça y est, c'est le niveau 2. Compétence d'action débloquée. Hier, vous avez gagné un niveau. Votre santé augmente de façon permanente. Et vous récupérez tous vos PV et votre bouclier. Vous pouvez débloquer vos compétences d'action et choisir 3 d'entre elles. Consultez équipé avec Tab. Cinglé avec un couteau. Il est super mort. Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, sécurisez la zone. Je suis en route. Ah, Lilith est en route. Bon, on va ouvrir quelques coffres pour s'équiper. Ok, j'arrive. Je vais te faire descendre. Ça va être super. Tu m'excuseras avant que je m'équipe. Il faudrait peut-être un fusil d'assaut, ce serait pas mal. Insta santé. Docteur Z. Oui, j'ai compris, j'arrive. Alors... Bah, elles sont là, les commandes. Parfait.
Alors, Mazouze peut choisir parmi plusieurs compétences d'action pour débuter l'ours de fer à ta mecha qui peut être équipé de plusieurs capacités, ouais. Ok. Plusieurs choix. Les compétences sont classées par arborescence, représentant chacune un style. Alors, compétences d'action, augmentation et capacité passive. Ok, c'était à l'alt pour changer. Équiper une compétence. Alors, équiper une compétence d'action. Ok, appuie sur E pour équiper la compétence d'action sélectionnée. Le raygun tire des projectiles électrifiés, ouais. Lance-grenade. Oh. Raygun. Alors, le minigun, c'est une cadence de tir rapide. Et le raygun électrifie. Voilà, un raygun et une roquette. C'est parfait. Ça va faire mal. Je fasse demi-tour. Ranimer Claptrap. Allez, j'arrive. Waouh! Allez, 100 points d'expérience. Pas sûr, c'est peut-être la voix de Ryan Gosling qui fait Claptrap. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est Lilith, l'ange des enfers. Salut. Commandant des pierres écarlates. J'en doute pas. Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Mose. Appelle Lundel. C'est toi la voix dans ma tête, pas vrai? Ouais, je préfère te prévenir. C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera sur Pandore. Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel. On n'est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance. Bienvenue chez les Pillards Écarlates. Eh ben merci, Pandore mission est une planète terminée. Dangereuse. T'auras bien besoin de ce mode de grenade. Tu devrais t'en équiper avant qu'on commence. Préviens-moi quand ce sera fait. Un mode de grenade. Eh ben voilà, c'est équipé. Prête à balancer des grenades et flinguer des cinglés. Oh yeah. Très bien. Tiens, y'a que moi qui entends des hurlements. En voilà d'autres. Recrue, fais voir ce que t'as dans le ventre. Et ils sont où? On est foutus. Foutus. Mais j'ai plus de grenades déjà. Oh putain, ils sont partis en fumée quoi. J'ai plus de grenades du coup.
on a un point stratégique. Le vent va peut-être enfin tourner. Toi, recrue, viens avec moi. Bon, je t'explique. Okay. Il y a quelque temps, on a trouvé une carte. Elle indiquait des arches partout dans la galaxie. De rêve, pas vrai? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos. On s'est fait attaquer, la carte a disparu. Et depuis, je la cherche partout. Par ici. J'étais tellement à fond dans mes recherches que j'ai pas vu Pandore changer. Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir, cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière. Une secte. Les descendants de l'Arche. Exact. Allez, viens, on va jeter un œil. Ils ont à leur tête les jumeaux Calypso, et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux. Ils sont persuadés que la carte va les conduire à ce qu'ils appellent la Grande Arche, et ils massacrent tous les gens qui tentent de s'opposer à eux. D'après la rumeur, un clan de bandits aurait trouvé un artefact alien dans le désert. C'est peut-être la carte. Et c'est ce qu'on est venu découvrir. C'est fermé. Mais c'est pas ça qui va arrêter une sirène. Badass la Lilith quand même. Putain, mais ça parle, hein, ça tchatche là pour un didacticiel là. Mais bon, c'est bien nerveux, bien bourrin comme un Borderlands quoi. Le sanctuaire de Shiv. Ça, c'est de la télé, dis donc. Cathodique, non? La carte, je le savais. On doit trouver les éclipseurs avant eux. Ça marche. Je vais ouvrir la porte. Viens, c'est par là. Ouais, il y avait des trucs à ouvrir quand même. Moins un coffre. Étendue aride, c'est parti. Je vais installer notre camp et trouver des infos sur les Calypso. Toi, trouve le chef de guerre des éclipseurs et fais ce qu'il faudra pour reprendre cette carte. Je vois que vous avez les choses en main. Bonne chance. Moi, je vais traîner dans les ordures. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais on n'a pas trop le choix pour l'instant. Et puis c'est pas la première fois que les pillards écarlates repartent de zéro. Mais c'est pas Sanctuary, pourvu qu'Ellie nous fasse vite décoller. Ah, Sanctuary. C'est pour changer les skins, les couleurs. Sauter, encourager, rire, saluer. C'est mes cours, ok. Ouais, je sais, je suis canon. Ah ouais. Ah, on va ouvrir tous les coffres. Ah, on peut faire plein de munitions déjà. 110$, je sais même pas ce que j'ai. Trop d'argent, mais pas assez de sang. Vous êtes au bon endroit. Ouais. Vous savez où c'est la sortie? Ouais, je pense savoir où c'est la sortie. La sortie, c'est... Ah. Avec un petit lag, mais la sortie, c'est par là. Et bah du coup, moi, comme je sais où est la sortie, je vais vous dire ciao. Et je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo sur Borderlands. Et vous aurez le droit aussi à des vidéos sur la coop. On sera 4 à y jouer, donc je sais pas si on sera toujours dispo pour 4. Mais il y aura de la coop et du solo pour l'histoire et la coop pour le fun. Les gros délires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette entrée en matière contre le premier boss du jeu. Et je vous dis... Bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée et bon appétit. Ciao !
Et n'oubliez pas les commentaires, les pouces, le partage. Avec plaisir. Et si vous avez envie, ciao!